Face à un projet de chantier de voirie, d'aménagement urbain ou de terrassement, sur quel levier le maître d'ouvrage peut-il agir pour répondre aux enjeux environnementaux lors d'un appel d'offres? Comment y voir clair dans les offres de variantes environnementales proposées par les entreprises? Un chantier, c'est une affaire de matières premières, granulats, bitume ou ciment, de transport de ces matériaux, de fabrication en centrale de rambage ou en centrale à béton, de transport vers le chantier, puis de mise en œuvre. Ces différentes phases offrent de multiples possibilités de réduire l'impact environnemental du chantier. Pour les objectiver, la profession des travaux publics a créé un éco-comparateur appelé SEV. SEV est un logiciel qui permet aux entreprises de présenter, pour une solution technique équivalente, des solutions de variantes environnementales dont les résultats sont présentés sur un document standardisé. Ce document présente des indicateurs quantitatifs, la consommation énergétique, les émissions de gaz à effet de serre, la préservation de la ressource naturelle et enfin la tonne-kilomètre transportée. Puis des indicateurs déclaratifs, la gestion de l'eau et la prise en compte de la biodiversité, et enfin un tableau comparatif des résultats. SEV peut aussi être utilisé par les bureaux d'études en prévision d'un appel d'offres ou par le maître d'ouvrage pour contrôler les engagements environnementaux de l'entreprise adjudicatrice.